Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 et l'avant-dernier épisode du choc des années. On a mis les coureurs dans des équipes en fonction de leur année de naissance. On est parti avec l'année 2002, il y a déjà 12 étapes de cela, avec Ayuso et Carnot Dely notamment, avec Magnus Sheffield, qu'on n'a pas vu trop pour l'instant, Magnus Sheffield. On est surtout sur Ayuso et Dely, faut être honnête. Et pour l'instant, au classement général, on est encore dans le coup pour la cinquième place. Évidemment, devant, ça va être très très dur d'aller les chercher. Mais si on fait cinquième, c'est déjà une plutôt belle perf, sachant qu'aujourd'hui, on a eu l'abandon de Carlos Rodriguez. Enfin, la dernière fois, on a eu l'abandon de Carlos Rodriguez, qui quand même libère un peu de place en vue du top 5. Sinon, au niveau des autres classements, malheureusement, maillot à points, on est déjà un peu largué. Lambda fait le plein de points aujourd'hui. Maillot vert, on est aussi un peu largué. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur d'aller chercher au moins un classement distinctif sur ce tour. Il va falloir qu'on le sauve avec une victoire d'étape. Ça m'arrive très rarement de finir un tour sans victoire d'étape. Donc il va falloir qu'on le sauve avec une victoire. Allez, aujourd'hui 5 étapes, hein, vu qu'on en a fait 4 la dernière fois. 5 étapes, Carcassonne Foix, Landerneau, le Puy-en-Velay, Nîmes et puis l'arrivée à Valoire. On perd pas plus de temps. C'est parti pour cette étape en direction de Foix. Et bon, je l'ai dit, hein, faut qu'on vise une victoire d'étape. Maintenant, il y a presque obligation d'emmener un coureur à l'avant à chaque fois. C'est le final, c'est Oscar Only qui est dans l'échappée pour l'équipe des 2002. Et moi, je vous le dis, il a de grandes, grandes intentions. On peut faire quelque chose de grand. J'ai cru que Morgado attaquait dès le pied. Il a l'air de protéger plutôt Johannes Kulseth pour l'équipe des 2004. Oscar Only peut faire quelque chose de grand. Aujourd'hui, il a l'air vraiment d'avoir des bonnes jambes. Maintenant, il va falloir voir surtout si la concurrence décide d'attaquer tôt pour nous mettre en difficulté. Parce qu'il y a quand même du bon coureur. Il y a du Kelderman, il y a du Caruso, il y a du Bardet aussi. Mais sachant que l'arrivée est sur du plat, si t'arrives à résister dans la montée, disons, ou même si tu perds quelques secondes, tu peux revenir après. C'est toujours différent des arrivées au sommet. Donc moi j'y crois, je peux y croire aujourd'hui. 5 minutes d'avance sur le peloton. Je pense qu'Ayuso va pas être trop mise en difficulté aujourd'hui. Donc voilà, faut croiser les doigts. Encore 2 km dans le port de l'air, c'est assez dur. Il y a Bardet depuis tout à l'heure qui durcit le rythme. Ça c'est vraiment juste pour faire chier les mecs autour de. Et pareil pour l'équipe avec Uran et Caruso. L'équipe, on doit être au moins des... Allez, petit prono des 37 ans, je pense. Ouais, ça doit être l'équipe des 37 ans là qui fait vraiment mal juste pour le kiff. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Oscar Only quand même. Je pensais qu'il était plutôt bien aujourd'hui, mais c'est vrai que quand tu regardes la composition de l'échappée, c'est pas une honte, hein. C'est pas une honte de décrocher maintenant, ça fait mal. Il y a même Lenny Martinez juste derrière avec Sion avec De Brooks. Morgado tout à l'arrière, mais il a plus protégé Johannes Kulseth. Et c'est vrai que ça fait mal. Après, péter après Julien Simon, ça fait mal aussi. Alberto Bettiol également sur une montée, ça fait mal aussi. Ouais. Non, franchement, j'avais plus d'espoir sur Oscar Only, là, un peu déçu. C'est un peu les boules parce qu'en plus, l'échappée va aller au bout, mais bon. Mais bon, on a trouvé des alliés du circonstance là qui pourraient temporiser, qui pourraient limiter l'écart avec deux coureurs de l'équipe des 2003, deux coureurs de l'équipe des coureurs de plus de 40 ans, Arashiro, Pozzovivo, Martinez, Hoyt de Brooks, ils collaborent, et Pasqualone aussi, ils collaborent, donc ça va, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, peut-être qu'on pourrait revenir. Après, si on passe au sommet avec une cesse de retard, c'est pas non plus dit que ce soit fini, hein. Mais il faut passer au sommet avec une cesse de retard, sinon autant tout abandonner. C'est le mur de Péguer et malheureusement j'y crois plus du tout avec Oscar Only. On va pas passer au sommet avec ce groupe-ci. Franchement, je vous l'avais dit, je sentais qu'il avait des plutôt belles jambes sur les côtes du départ. Il avait pas du tout dépensé d'énergie alors que ça roulait fort également. Et là, dès que ça a monté en montagne, malgré son 74 de montagne, il m'a plutôt déçu. Donc voilà. Voilà, tant pis, on va pas aller très très loin, même si on tient encore dans les roues d'Hugues de Brooks et de Lenny Martinez, on rattrapera pas les mecs devant, donc on va faire quelque chose de plus utile, on va essayer pour la dernière étape de montagne de la semaine de créer un écart avec Juan Neuso dans le peloton. Ça roule pas à une allure de folie, ah si, ça commence pile quand je dis ça, ça commence à rouler à 100, avec Rafał Majka qui roule pour Primoz Roglic, Ben Hilly c'est pour Remco Evenepoel, et Christophe Laporte ça doit être pour les frères Yates, qui sont encore placés au classement général. J'aurais bien voulu placer une attaque dans ce mur de Péguer. Je dis pas qu'on va reprendre les coureurs qui sont devant à 4 minutes. Mais on peut au moins reprendre ce groupe-ci. Allez, c'est parti. Juan Neuso qui place son attaque au moment où Rafał Majka se range un peu sur le côté. Ouais, il y a un monde, hein. Il y a un monde où on reprend les 6 à l'avant. Mais il va quand même falloir sacrément accélérer sur ce final, c'est clair. Allez, ça y est, ça contre avec Remco Evenepoel. J'ai cru voir qu'il sortait. Il a été un peu bloqué par Alberto Bettiol. Il y retourne. Le Belge, le champion du monde du contre-la-montre. Non, il y retourne pas vraiment, il roule, hein. Pourquoi ils veulent pas attaquer plutôt? Ah tiens, bah oui, il y a Oscar Only.
Allez, 110 peut-être, si t'arrives à le faire. Il va avoir du mal, hein. Ouais, il va avoir du mal. Ouh là là, bah tiens. Attends le peloton, fais pas de dinguerie. Là, ton étape, elle est terminée. D'ailleurs, il y a aussi des mecs là. Et les mecs, faites pas ça. Faites pas ça, restez dans le groupe. Il y a des étapes qui arrivent. Vous fatiguez pas pour rien. Vous avez vu, hein, au pied du mur de Péguer, on était le seul de l'équipe encore. Tous les autres avaient été distancés. C'est pour dire comment je me suis mis un peu en difficulté en prenant cette équipe. Allez, Juan Ayuso à bord, la descente vers l'arrivée. Vous voyez que Primoz Roglic vient de faire la jonction. Malheureusement, ça va être difficile de tenir la distance entre Pogacar et Vingegaard. Mais Evenepoel est toujours dans le peloton. Donc pourquoi pas arriver à foi avec un petit écart. Il y a Simon Yates là qui a été distancé, 20e du général. Godu qui était bien placé grâce à une échappée notamment. Alors attention, là ça va laguer. Hop, restez concentrés parce qu'en plus, c'est dans un endroit où on peut vite tomber dans le décor. Mikel Landa avait été distancé, lui qui est dans l'équipe des 35 ans de Primoz Roglic. Mikel Landa, qui était bien placé grâce à sa victoire sur l'étape juste avant, on l'avait vu. Bon, voilà, faut pas rêver. J'avais dit qu'on pourrait reprendre les échappées. Je me suis un peu emballé. Primoz Roglic, il collabore, donc ça, c'est quelque chose de bien. J'ai zappé qui était. Ouais, c'est Pozzovivo qui est dans la roue. Pozzovivo qui est dans la roue, donc c'est bien que Primoz Roglic collabore avec nous. Ouais, même si j'y crois plus trop. En plus, ça passe à l'offensive derrière. Ils sont à 20 secondes. J'y crois plus trop. Assez logiquement, on s'est fait reprendre par le peloton. Par contre, là, les petites attaques, elles me plaisent pas trop trop. C'est Roglic qui est sorti avec Vingegaard. Ouais, bah, c'est surtout à Pogacar de réagir. On va laisser Pogacar réagir. Et Pogacar, il réagit par l'attaque. Caruso qui s'impose à l'avant. Le coureur de l'équipe des 37 ans, et bah, ça, devant Henrik Maas et Romain Bardet. Hop, 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 hop. Ce virage qui était un peu dangereux. Allez, Juan Ayuso, on va faire notre sprint final. Peut-être essayer de combler l'écart avec les coureurs qui sont devant. Les deux étapes qui vont suivre sont pas nécessairement dangereuses pour le classement général. Donc ça, faut en prendre en rigueur sur notre sprint final. On peut se lâcher, on peut se défouler. Allez, ça va être un top 5 sur l'étape. Une cinquième place. Il n'était que 3 au final à l'avant à être allé au bout. L'échappée est bien allée au bout, mais pas avec beaucoup de monde. Caruso, donc tout le monde termine à 2,22, même s'il y a des petites cassures, mais par rapport aux coureurs qui sont devant nous, Vingegaard, Roglic, Pogacar. Ah, Evenepoel. Evenepoel de 32, ok, 10 secondes. Va falloir faire un peu plus quand même. Hein. Et à Bilbao aussi qui m'intéresse. Bilbao, 10 secondes, va falloir faire un peu plus encore une fois. Allez, on avance, pas trop de changements au niveau des autres maillots en ce qui nous concerne. En tout cas, toujours 5e avec une étape accidentée. Encore une fois, on va partir en échappée. Je vais pas vous montrer les classements grimpeurs. On va partir en échappée parce qu'il y a des chances que sur cette étape de Landerneau, l'échappée aille au bout encore une fois. Et on est pas mal les gars, on est avec Thibaut Nice dans l'échappée qui a remporté deux étapes hein, du Tour de Pologne récemment. Et bon là il a pas des stats de folie sur le jeu de base. Donc on n'est pas ultra favori non plus dans cette échappée, mais on a quand même des chances d'aller chercher une victoire. Pour moi l'adversaire c'est notamment Jonathan Narvaez, Kevin Vauquelin, ces deux-là va falloir faire attention. Mais en tout cas ça sera pas le peloton parce qu'à 3 tours de l'arrivée le peloton nous laisse 84 personnes des dangereux dans l'échappée. Donc ça laisse encore l'échappée justement aller au bout alors qu'on va prendre un tour à un coureur. Ça c'est un peu chiant par contre généralement. Ouais, Phil Barros, on va sûrement reprendre un tour à Conforti aussi, à Grisel peut-être. Bon, voilà, l'important c'est qu'il y a une potentielle victoire d'étape à jouer. J'ai pas joué les classements grimpeurs, j'ai pas joué les sprints, on est frais à 100% pour le final. Avant-dernier passage dans la côte de la Fosse aux Loups, confirmation que l'échappée ira bien au bout. Il n'y a pas de maillot jaune potentiel, comme on l'a dit, tout le monde est très très loin. C'est nous qui sommes le plus proche à 54 minutes. Les coureurs du classement général ne craignent rien. Voilà, va falloir se concentrer, va falloir conserver le rouge, ne pas l'utiliser sur ce grimpeur par exemple. Je pense que d'habitude j'utilise pas trop mon rouge, mais là j'ai tellement envie d'avoir une victoire d'étape que je vais peut-être ne pas me gêner. Je pense que je vais pas me gêner. Allez, on va arriver sur la ligne. Il y a des coureurs qui se sont fait distancer un peu à la régulière hein, finalement. Il y a eu quelques attaques dans le plat avant la côte de la Fosse aux Loups. Uran, Cruel, Sobrero et Steven Kruijswijk, c'est vraiment à la régulière. Pareil pour Jakob Fuglsang. Derrière, ça s'accroche avec Pellizzari, Tom Skunch et Kuchtor, le Hongrois de la Novo Nordisk. On va prendre les deux points sans rien faire. Et nous y sommes, on y arrive. Et vous voyez, ça attaque dès le pied avec Jan Christen qui tente de sortir. On va reprendre un coureur de l'équipe. Ouais, c'est Turconi du coup. C'est Turconi dont je parlais tout à l'heure. Qu'on reprend. Conforti, pardon. Conforti. Ah non, c'est peut-être Grisel même. Parce qu'il doit y avoir Van Poppel juste devant. Ouais, je sais pas, allez, on s'en fout. On s'en fout. C'est parti du coup pour ce final avec Thibaut Nice. Et j'avoue, là, je suis tellement en dèche de victoire. Je vais reprendre un peu de rouge alors que ça attaque direct dès le pied. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, c'était bien Grisel du coup. Puisque là, c'est Van Poppel avec l'équipe des 36 ans. Ça roule très très fort dès le pied. Là, j'avoue, je suis même pas sûr qu'en reprenant du rouge, on va remporter l'étape. Hein, parce que Narvaez, ça a l'air très très fort. Vauquelin, il est à notre droite. Ah non, Jonathan Narvaez, c'est trop balèze. C'est trop balèze. Il a emmené les mecs dans sa roue en arrière de temps là. Aïe, 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 aïe.
Il y a Castro Viro, Pellizzari, Mesguetch et puis Jonathan Narvaez. Vauquelin, il peut rien faire. Vauquelin ne peut rien faire. Bon, au moins, on joue la victoire d'étape. C'est une réussite puisqu'on n'a pas beaucoup joué la victoire d'étape, mine de rien, sur ce tour. Mais est-ce qu'on pourrait la remporter plutôt que de la jouer? Ça pourrait être intéressant. On va encore sur cette étape rattraper les mecs devant comme ce matin. Si vous avez regardé peut-être le Tour de Pologne ce matin, n'hésitez pas à aller le voir. Et Jonathan Narvaez est très très fort, il va aller s'imposer. Ah c'est terrible, je l'ai dit, même en prenant du rouge. Ah quoique, non. Même en prenant notre rouge, on va pas aller battre Jonathan Narvaez qui était le plus fort. C'est chiant, c'est un peu chiant, on prend la deuxième place. Du coup écoutez, c'est pas non plus atroce. Mais forcément quand t'es dans l'échappée, tu vas aller chercher la victoire d'étape. Et c'est parti, oulala, attention, c'est parti pour l'ascension finale. Du côté du peloton, avec un Ayuso qui n'était pas très très bien placé, qui a bien choisi son jour pour être en méforme. Faut mieux que ça soit sur une étape comme celle-ci où il n'y a pas trop de risques, plutôt que sur une étape de montagne. Le sprint au sommet vraisemblablement n'aura pas d'écart, peut-être des meilleurs punchers. Ah si, attention Juan, aïe, il y a des petits écarts peut-être qui vont se profiler. Hop, on lance le vélo. Bon là je pense avec le corps qui était devant nous qui semble être Skelmosse, il n'y aura pas d'écart, mais peut-être des petites secondes. Ouais, c'est pas trop mal deuxième, ça augurera sur peut-être une victoire sur les 7 dernières étapes. En Narvaez, même en méforme, il nous a battu, c'est pour dire c'était vraiment l'homme à battre dans cette échappée. Derrière, est-ce qu'il y a des cassures? Une petite cassure de 5 secondes. Petite cassure de 5 secondes avec Roglic et Evenepoel. Et Pogacar, on termine dans le même temps. Et par rapport à Vingegaard... Oh, Vingegaard, non mais... Vingegaard malade, j'avais pas vu hier. Ou alors j'ai mal regardé. On a Pissi aussi qui est très très mal. Geraint Thomas qui est très très mal. On pourra avoir des abandons hein, dans les prochains jours. Parce que là, Geraint Thomas, il est vraiment pas bien. Et sachant qu'il est dans le top 10... Il me semble qu'il doit pas être si loin de nous. On a un abandon, c'est Marijn Vandenberg. Normalement, Geraint Thomas est dans le top 10. C'est bien ça, la 8ème position. Attention à Vingegaard. Peut-être qu'on pourrait reprendre une place. Ça sera un peu château, mais bon. Si on doit la reprendre de cette manière, on la reprendra de cette manière. Meilleur grimpeur Caruso, meilleur sprinter Van Aert. On n'est toujours pas avec un maillot sur les épaules dans notre équipe. Et voilà, ce qui m'intéresse surtout sur cette fin de tour, c'est d'aller choper une victoire. Histoire le Puy-en-Velay, encore une étape où l'échappée peut aller au bout. Encore une étape où on aura un homme à l'avant, évidemment, comptez sur moi. C'est Magnus Sheffield, l'élu du jour. Et une nouvelle fois, l'échappée va aller au bout hein, sur cette étape en direction du Puy-en-Velay. Qui avait été emporté par Mollema en 2017, même si c'est pas exactement le même parcours. Il y avait la montée d'Aubrac au tout départ de l'étape. Donc là, ouais, l'échappée va aller au bout, on est 9 à l'avant. Faut tenir. Je pense qu'au sprint, il y a quand même Morkov qui est là, donc faudra s'en débarrasser aussi. Bref, on aura le temps d'évaluer tout ça une fois arrivé dans le final. Mais faut tenir dans la montée, ça c'est sûr et certain. Je vous l'ai dit, il fallait tenir dans cette montée de Naf d'Aubrac, c'était... le véritable adversaire de cette étape. Maintenant c'est de la plaine et on sait que dans la plaine Magnus Sheffield on n'aura pas de soucis. Il faut juste faire la jonction le plus rapidement possible pour aller se caler dans les roues. Bon, le problème c'est qu'on a toujours Mikhail Morkov qui est le plus rapide de l'échappée. Et en essayant de revenir sur l'échappée, bah, je le fais lui aussi revenir sur l'échappée. Mais bon voilà, je préfère qu'on revienne tous les deux plutôt que aucun de nous deux revienne. Je suis pas suicidaire à ce point. Donc allez, on va la faire la jonction. Juste 7 secondes d'écart, et je reprends du rouge. Faut la faire le plus rapidement possible hein, si on veut réussir à récupérer dans les roues. Allez, Mickaël, allez, quelques mètres. Allez, c'est bon. Ouh, c'était dur, mais c'est bon. La côte de Saint-Vidal, on a bien récupéré, mais j'ai pas envie de m'emballer quand même. Hein. J'ai pas envie de m'emballer. La barre bleue, ça peut couler très très vite. On est en fin d'étape, on est en fin de semaine aussi, et la journée de repos juste après. Donc ne pas s'emballer avec Magnus Sheffield. On est là où on doit être. J'attends plutôt les dernières côtes, vous voyez que ça va remonter juste après pour attaquer. Là je reste tranquille, on prend pas de risque. Et ça attaque hein, ça attaque après le sommet, là par contre faut pas jouer avec le feu, on est à 10 km de l'arrivée sur quasiment du faux plat descendant, des remontées. Il faut prendre les roues immédiatement. Mikhail Morkov est toujours présent, le coureur assurément le plus rapide de cette échappée. Et après, je sais pas, Sheffield c'est 66, 67 il me semble de sprint. Donc on a notre petite pointe de vitesse, mais c'est sûr que si Morkov est toujours présent à l'arrivée, ce sera lui qui ira s'imposer. Sinon, ouais, je dirais Barguil, ça sprinte bien aussi. Hein. Kevin Vauquelin, pourquoi pas également les deux coureurs, j'allais dire les deux coureurs de l'Arkea. Barguil ex-Arkea, mais Kevin Vauquelin, il est actuellement. Allez, on a aussi Ben Hermans qui a tenté de sortir les 8 derniers kilomètres. J'avais prévu de peut-être placer une attaque dans une des montées finales. Mais il va falloir surtout essayer de résister quand même, de rester dans ce groupe. Hein. Si on place une attaque pour exploser juste après, c'est pas la peine. Et là, ça va remonter pendant 300 mètres. C'est pas dans celle-ci qu'on va sortir, c'est dans celle qui va suivre.
C'est dans celle qui va suivre. Celle-ci, on va surtout essayer de tenir. Là, l'attaque de Warren Barguil, notamment de Kevin Vauquelin également, pour faire la jonction sur Ben Hermans. J'ai l'impression que Morkov est un peu dans le dur. Je l'ai dit, j'ai l'impression que Morkov est un peu dans le dur. Il a du mal à tenir. Il était dans la même situation que nous pourtant tout à l'heure. Et c'est lui qui a l'air de craquer un peu en premier. Mais il s'accroche, hein, il s'accroche. Il n'a pas explosé non plus complètement. Il est avec Ian Christen. Et allez, la dernière montée, elle est ici. Et il n'y aura pas d'attaque, hein, les gars. Il n'y aura pas d'attaque. Regardez la barre bleue. On va essayer de rester dans les roues. Déjà, ça sera très, très, très bien. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai envoyé Sheffield et pas Nace et Only. Bah, de un, j'ai voulu un peu varier. Et de deux, je pensais que Nace et Only seraient un peu fatigués après ces étapes. Mais finalement, quand on regarde, il y a Vauquelin qui était déjà là hier. Donc, j'aurais pu renvoyer Nace, hein, au final. Mais bon, voilà. J'ai tenté avec Sheffield. Et Sheffield est toujours présent. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, là, ça redescend. Et c'est Hermans finalement qui craque. Morkov est toujours présent. Allez, par contre, là, ça roule à fond. Mais j'ai besoin de récupérer du rouge et du bleu. Hein. J'ai besoin de récupérer du rouge et du bleu en vue du sprint final au puits envelé. Allez, encore 2 km. Ça remonte. Ça peut peut-être être notre chance pour faire exploser Mikhaïl Morkov à l'arrière. Et allez, ça rattaque déjà. Hein. Ça rattaque déjà. Ça attend pas la flamme rouge pour lancer le sprint. J'ai envie d'en garder un peu sous la pédale. Là, j'ai envie d'en garder un peu sous la pédale. Allez, 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 Magnus Sheffield. Allez, l'Américain. Est-ce que... notre première victoire pourrait venir de l'autre côté de l'Atlantique. Warren Barguil qui lance en premier. Oh, il est sorti. Oh là là, il est sorti. Encore faire deuxième. On va encore faire deuxième. Oh purée. Oh là là. Oh, il est sorti magnifiquement après le virage. Une nouvelle deuxième place. C'est pas possible. C'est pas possible. On va reprendre Juan Ayuso. Et je pense que dans le peloton, rien ne va se passer. Même si on a eu cette attaque de coureurs qui sont pas dangereux au général. Arrivé sans danger du côté du peloton, vous le voyez, deuxième Magnus Sheffield. Quelle déception encore une fois, parce qu'au sprint, bah, il y avait un truc à faire, hein, c'est indéniable. Et on échoue derrière Barguil qui a pris magnifiquement le virage. Tiens, on va attendre l'arrivée de Mathis Griesel dans quelques instants. Barguil qui prend le virage, mais de façon absolument magnifique, absolument subjugante, même si j'ose dire, ce virage était splendide en fait. J'ai jamais vu ça de la part d'une IA. D'habitude les virages elles les prennent. Oula, d'habitude les virages elles les prennent très très mal. Et Barguil qui est pourtant pas très très bien placé justement au virage. Regardez comment il va sortir l'attaque. Et là il le prend bien alors que généralement les autres vont un peu plus ralentir. Lui il le prend en accélérant. Et là il était parti. Hein. Là il était sorti. Impossible de le revoir. Et ouais, GG Warren, mais bon j'aurais préféré qu'il me la laisse à Magnus Sheffield. Deuxième. Encore deuxième, deux fois d'affilée, c'est une malédiction. Oh là 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 là, encore une déception pour l'équipe des 2002, là, ça fait deux d'affilée, c'est rien passé dans le peloton, on peut avancer. Et malheureusement, l'abandon de Laurent Spicy, on en parlait, il était en méforme déjà depuis quelques jours, il quitte la route avec Victor Campenaerts également. Et Vingegaard, où en est-il puisque Vingegaard aussi était assez mal en point. Vingegaard, il est très mal en point, même pendant que Geraint Thomas, lui, se guérit pour le coup. Est-ce que Vingegaard va abandonner très prochainement? Malheureusement, il y a la journée de repos, donc il va peut-être se remettre un peu en point. Mais là, il est bien covidé. Ouais, il y a plein de monde qui est covidé, c'est abusé. Il y a une maladie dans le peloton. Maladie dans le peloton. Allez, on avance du coup pour les deux dernières étapes de la vidéo. Gruissan-Nîmes Plaine et Pignerol-Valoir. Montagne, mountain. C'est parti, Gruissan-Nîmes. Je sais pas, est-ce que j'espère qu'il y aura du vent, est-ce que j'espère pas qu'il y aura du vent? En vrai, je m'en fiche un peu qu'il y ait du vent ou pas. Pour le spectacle de la vidéo, on préfère évidemment. Alors peut-être. Oh, on doit faire 5, on doit faire un truc très moyen là. On va attendre, ça défoule. Oula, ça fait peur. Oula, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Zone exposée au vent dans ce final. Et il y a du vent. Alors va falloir que mon leader, Juan Ayuso, soit attentif. Il est pas trop bien. Mec, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai mis rattrapé. Ouais, non, ouais. En vrai, j'aurais pas dû mettre. Mais voilà, Ayuso, il est en excellente forme en plus aujourd'hui. Alors au départ, j'étais en mode, ah, c'est dommage qu'il l'ait pas gardé pour demain. Mais ça peut être une bonne idée quand même d'avoir une excellente forme sur une étape où il y a des potentielles bordures. C'est pas non plus à jeter, hein. C'est pas non plus à jeter, il en aura besoin dans le final. Donc voilà, tous mes gars sont bien placés. Vous voyez là, les mecs avec le maillot DSM, on est bien placés. Donc maintenant, faut rester ici jusqu'à l'arrivée. On devrait reprendre les échappées à l'avant pour Zoivo Wellens et Van Poppel, mais en tout cas la zone avant fort n'aura pas eu l'effet escompté. Hein. D'habitude j'ai quand même beaucoup plus de dégâts sur les zones de devant. Là, pourtant je l'ai joué, hein. Je l'ai joué, mais c'est clair qu'on n'était pas en mode des fois sur les bordures. Les mecs ils roulent à fond, ils sont en danseuse et tout, là ouais ça roule de manière plus traditionnelle, donc pas surprenant qu'on ait pas de bordure. Ouais, on a un petit groupe là, hein. On a un petit groupe, une petite cassure, mais c'est... Ah, bah tiens les gars. Une petite cassure, mais quand même, il y a une trentaine de secondes d'écart qui s'est créé. Est-ce qu'on a du gros favori derrière? Ah, il n'y a pas l'air. Hein.
Il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air. Mais il y a forcément du sprinter qui a été piégé. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de concurrence pour ce sprint à Nîmes. Allez, Arnaud Dely, il a la barre bleue suffisante, il a la barre rouge suffisante. Je ne sais pas si on va aller le prendre celui-ci, mais il faut essayer de faire quelque chose. Ouais, par contre, ça m'intrigue. Puisque là, ça n'a pas l'air du tout d'essayer de faire la jonction derrière. Pourtant, Bilbao, Damietz, Caruso. Ok, bah bon, dans le top 5, il n'y a personne. Mais si on peut reléguer Bilbao un peu plus loin pour le top 5 aussi, ça peut être intéressant. Allez, Arnaud Dely, en bonne forme aujourd'hui. C'est peut-être le jour. C'est peut-être le jour pour notre première victoire d'étape. On se souvient que sur notre TDF avec la Ineos, on avait attendu l'étape 19. Peut-être qu'aujourd'hui, on va attendre l'étape. Ah, ça lance sur la gauche. Oh, Van Aert. Oh, le sprint dégueulasse de Wout Van Aert qui était dans la roue d'Ackermann. Et dire que j'ai pris sa roue en plus. Oh non, j'ai encore fait une erreur. J'ai encore fait une erreur, c'est pas possible. Est-ce qu'on va encore aller faire deuxième? On va faire quatrième. Purée. Mais Van Aert, il était amené magnifiquement par notre ami Pascal Ackermann. Et il a fait du grand n'importe quoi, le coureur de l'équipe des 93. Encore une place d'honneur dans cet épisode. Du coup, on a fait que des top 5 pour l'instant, mais pas, on n'a pas levé les bras. On n'a pas levé les bras. C'est Jonathan Milan qui s'impose et j'étais dans la roue de Van Aert. J'ai pris la pire roue. Excellent. Il y a encore des mecs qui sont malades. Vingegaard est toujours dans le rouge, mais il a fini dans le bon groupe au moins. Donc ça, c'était le plus important pour Vingegaard. Et donc, on crée 47 secondes avec le groupe derrière. Il y avait Bilbao qui était piégé. Ça, c'est intéressant. Ça dégage la voie en vue du top 5. Tant mieux. Tant mieux pour nous, Bilbao qui est désormais à 2-20, il va falloir qu'il fasse un sacré exploit pour venir nous chercher. Pogacar toujours en tête et Vingegaard malade. Attention, attention pour le Danois, peut-être qu'il prendra pas le départ demain. En tout cas pour l'instant, on n'a pas trop d'indications là-dessus. C'est parti pour la dernière étape de la vidéo entre Pinerolo et Valoire. Une étape de montagne de nouveau, va falloir placer quelqu'un à l'avant au cas où ça va pas au bout. Dans l'échappée avec Davide Piganzoli, le problème c'est qu'en fait on n'a pas de coureur avec qui tu peux vraiment gagner dans l'échappée. Bon, on avait Nice, mais le problème c'est qu'il y avait Narvaez. On avait Sheffield, mais on s'est fait piéger par Warren Barguil. Enfin vraiment c'est dur, et en haute montagne c'est difficile aussi. Piganzoli c'est pas au niveau d'un Sepkoski, d'un Thierry, Sivakov, Carapaz, Caruso, Martinez. En fait masse, mais tous les mecs devant nous là ils sont meilleurs que nous. Donc on peut pas créer d'exploit. Donc malheureusement, ouais, si on veut que on remporte une étape aujourd'hui, il faut que l'échappée se fasse reprendre, que ça roule pas trop trop fort dans le peloton, que Ayuso résiste et on s'impose au sprint, quoi, c'est la seule solution. On vient à peine de rentrer sur l'échappée avec Piganzoli, c'est pour vous dire pourquoi on est fatigué, quoi, pourquoi on est fatigué. Bon, il y a 5 minutes d'écart, j'espère que le peloton va nous reprendre, parce que c'est impossible que Piganzoli batte cette échappée. G et Sivakov, qui font partie de la même équipe, on doit être aux alentours des... Je dirais 28, c'est l'équipe où il y a Egan Bernal notamment. Donc Egan Bernal, il doit être à peu près autour des 28. G. Sivakov, on doit être autour des 28. Donc du coup, Piganzoli, on a réussi à rentrer notamment grâce à lui. En fait, ils ont roulé pendant que moi j'étais dans leur roue. On était les 3 distancés. Et ils n'ont pas réussi à rester dans le groupe, littéralement. Mais moi j'ai réussi, c'est la technique de rat ultime. Donc du coup, Piganzoli, on a échappé, on va faire aucun relais. Évidemment, on va prendre aucun relais, on va espérer que ça roule pas trop trop fort. Mais là, Caruso a pas l'air d'être de cet avis. Et il nous reste, allez, au bas mot, 6 km encore d'ascension. Et c'est mort pour Davide Piganzoli. On va reprendre Ayuso, puisqu'il y a peut-être une chance de victoire pour le peloton. Ça a roulé très très fort avec l'équipe des 25 ans. C'est l'équipe de Matteo Jorgensen, de Timen Arensman, l'équipe Lotto Destiny. Pardon, l'équipe Lotto Destiny. On a aussi la Cofidis, c'est Mikel Landa, c'est Primoz Roglic. L'équipe des 35 ans, 10 ans de plus que la Lotto Destiny et ça collabore ensemble, c'est beau. C'est beau les générations qui s'entraident. Et Ryan Ayuso, malheureusement, on n'a pas grand monde. Avec lui, on a encore Only et Nice, mais c'est un peu dur pour ces deux-là qui sont à l'arrière. On les voit, on voit un maillot DSM. Où est l'autre? Il est ici. Donc oui, ils vont pas tenir très très longtemps. Moi, j'espère juste en fait qu'on les reprenne. Et qu'une fois qu'on les aura repris, ça s'arrête de rouler et ça passe au sommet et puis on essaie un truc dans la descente. Bon, il reste 2 km et pour l'instant ça roule mais ça n'attaque pas, hein, ça n'attaque pas dans cette échappée. J'ai juste envie de regarder quelque chose. Il n'y a pas Vingegaard, les gars, il a abandonné ce matin. Il n'est pas là, Vingegaard. Il n'est pas là, Vingegaard, il a abandonné ce matin, c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Attention. Ah, mais il est encore là apparemment. Mais je l'ai pas vu, je suis aveugle ou quoi? Mais il doit être à l'arrière. Parce que je le vois pas, il est tout à l'arrière. Je pense qu'il est tout à l'arrière, mais je l'ai pas vu pour l'instant. Il est toujours présent apparemment, il a pas encore abandonné, il y a pas le logo de l'abandon, mais ouais, il doit être tout à l'arrière. Pour l'instant, je l'ai pas vu. Ah, il est là, Vingegaard. Ok, il a pas abandonné. Allez, le dernier kilomètre, moi j'ai vraiment envie d'aller les chercher à l'avant. Et en plus, on n'est pas trop trop mal aujourd'hui, on est dans une bonne condition. Et Tadej Pogacar qui place son attaque. Ouais, par contre, il déborde un peu là. Tadej, il déborde un peu.
Allez, Ayuso, on reprend du rouge sur le sommet pour résister avec Evenepoel, Roglic, Yates et Pogacar. Évidemment, c'est dur pour Vingegaard derrière. C'est dur, évidemment que c'est dur pour Jonas Vingegaard. Évidemment, il est malade, il est emprunté. C'est évidemment très compliqué pour lui de résister. Et Juan Ayuso au bout de l'effort dans ce col du Galibier qui aura été... Non. Oh là là, comment j'ai géré mon virage. Atroce, affreux. Oh, mais là, c'est pareil, là. Qu'est-ce que je fais? Il a une mauvaise note. Il doit avoir une mauvaise note d'agilité à Ayuso. Parce que là, c'est pas normal. C'est pas normal. Allez, Pogacar, une minute de retard sur les mecs devant. Autant vous dire qu'il y a quasiment aucune chance qu'on les rattrape. Un peu les boules. De nouveau, pas de victoire pour l'équipe des 2002. Pour l'équipe des mecs qui ont 22 ans. Du coup, pas de victoire pour nous. Kuss, Mas et Carapaz sont à l'avant. Vont aller se disputer la victoire. Voilà, va falloir qu'on roule très très fort dans la descente. Hein, si on voulait reprendre. Non, Evenepoel. Oh, j'ai cru qu'il allait me compresser contre. Dans le décor. Allez, peut-être qu'on peut les reprendre. Mine de rien, parce que ça a pas l'air de trop collaborer. Pogacar, il reprend du temps sur eux. Allez, on va peut-être se faire la descente en entier, je sais pas, on verra en fonction de l'évolution de tout ça. Allez, elle est bien ce début de descente, il est pas mal. Faut pas oublier qu'il faut récupérer aussi du bleu, puisque dans le final, c'est pas que de la descente, il y aura aussi du plat. On a Lenny Martinez juste devant nous, Caruso va reprendre Carapaz, Kuss et Mas. Et désormais, c'est la longue descente, ils sont juste ici, on peut aller les chercher, ils sont pas en train de collaborer de fou. J'ai pas l'impression que ça leur pose un gros souci. Qu'on les reprenne. Et on voit aussi hein, Jonas Vingegaard a été distancé. Mais là quand on parle de distancé, c'est très très loin. Il est quasiment à 2 minutes. Il souffre. Pas impossible d'avoir un abandon ce soir. Parce que là Vingegaard il est en difficulté. Bon, j'avais beaucoup attaqué, j'étais obligé de récupérer dans cette phase de la descente. 36 secondes de retard dès qu'on retourne sur le plat. Non. Oh là 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 là, j'ai encore une frayeur, les gars, c'est pas possible. Bon, du coup, l'important c'est qu'on soit sur le vélo. 39 secondes de retard, on va en remettre une. Moi j'ai envie d'aller les chercher là. Je sais pas si c'est possible. Mais il faut au moins tout donner jusqu'à l'arrivée. Au pire, on finira dans le groupe qui est derrière nous. Et Vingegaard essaye de limiter l'écart dans la descente. Il est accompagné par Godu et Vlasov dans son équipe. L'équipe des 28 ans. Heureusement qu'ils sont là. Et ça va pas le faire. Purée, la frustration. Ça sera joué vraiment un poil de fesses. Hein. Oh là 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 là, quelle frustration. Quelle frustration, parce que je pense qu'au sprint, Ayuso, vu ce qu'il a montré dans la descente, vu ce qu'il a montré aussi dans la montée, où il a été très très fort. Il aurait pu faire quelque chose. Et là, ça a été d'anticipé avec Pogacar, avec Roglic aussi. C'est pas vraiment notre catégorie. Nous, notre catégorie, ça pourrait devenir Vingegaard sur les prochains jours. Avec sa maladie en cette fin de tour. C'est Adam Yates aussi. C'est Bilbao. Où est Bilbao? Bilbao, oh, il est loin Bilbao. Il doit être dans le groupe, même pas. Oh là là, Bilbao, il a l'air très très loin. Je sais pas où il est, PO Bilbao. Il est peut-être dans ce groupe-ci finalement. J'ai pas vu. Je crois qu'il est dans ce groupe-ci. Il était dans le groupe où on était. D'accord. J'étais juste aveugle en fait. J'ai même pas vu qu'il s'imposait à l'avant. J'étais concentré sur mon sprint. On finit la vidéo avec une 8ème place du coup dans le même temps que Pogacar et Roglic. À l'avant, on sera pas revenu sur Caruso qui a remporté sa 2ème étape de la vidéo. Qui plus est, Bilbao 9ème dans la roue. J'avais pas vu où était Bilbao. Il était très présent. Et donc Vingegaard, il est où? Je le vois pas, je dois être aveugle, mais je vois pas Vingegaard, il est juste derrière. Ouais non les gars, c'est moi qui suis aveugle. Et je ne suis pas aveugle, il a terminé l'étape, je crois qu'on peut voir même, regardez, entre 17 et 19, il y a un trou, ça veut dire qu'il a terminé l'étape à la 18ème position. Il a beau avoir terminé l'étape, il quitte la route ce soir, il n'en peut plus. Jonas Vingegaard abandonne ce tour et donc ça nous place à la 4ème position. Enfin, ça nous met 5ème, mais on est 4ème évidemment. La 3ème place, ça sera occupée par Evenepoel juste derrière nous. Bilbao, c'est loin. Est-ce qu'on peut faire l'exploit d'aller chercher Evenepoel, sachant qu'il y a un chrono de 24 km avant l'arrivée à Paris? Non, mais on va quand même tout faire pour exister dans cette fin de Tour de France évidemment. Il reste quelques étapes, toujours pas de victoire d'étape. Aïe aïe aïe, et pas de classement distinctif non plus. Les amis, nous nous retrouverons la prochaine fois, je crois que c'est dans 2 jours, pour une ultime vidéo sur ce concept du choc des années. Plateau de Bay, puis de Dôme, Gevrey-Chambertin, Paris-Champs-Élysées. Il y a un truc que j'ai pas regardé, c'est le classement par équipe, alors que c'est important pour voir quelle est l'année la mieux représentée en fait littéralement. C'est 96 la meilleure année, pourtant Vingegaard, bah ouais, je pense que ça compte encore Vingegaard. Mais il abandonne, hein. Évidemment il a abandonné, à quoi que c'est vrai qu'ils sont pas mal de coureurs bien placés. Mais je pense qu'avec Vingegaard il devrait perdre un peu. Évidemment 98 pour
pour Pogacar, pardon, 89, Primoz Roglic, et ainsi de suite, 2002, c'est nous, Evenepoel, c'est 2000 normalement, et 2000, ils sont que 10e, ok, bah écoutez, on termine là-dessus les amis, merci à tous d'avoir suivi, vous connaissez la rengaine, ciao ciao.